Il faudra que chacun puisse avoir le temps de parole et le temps de poser des questions. Donc le premier projet EasyPad, projet avec les infirmières libérales. C'est ça. Autour de WebMedia ou de façon plus large? C'est ça, autour de WebMedia, d'Optim et d'un dispositif de formation à distance. D'accord. Moi, tu le diras peut-être, mais ce qui m'avait semblé très intéressant, c'était la rapidité de mise en œuvre aussi et la facilité de déploiement qui me semblait assez intéressant. Mais je te laisse la parole. Merci Manuel. Donc un quart d'heure, tu peux me dire quand il reste 3 minutes comme ça. Donc EasyPad, on a un petit peu évoqué à droite à gauche, hein, avant-hier, ce matin Thibault. Donc il va y avoir un peu de redite, là je vais reparcourir tout le projet pour que ceux qui découvrent et tous les éléments. Donc juste en préambule, pour la petite histoire, c'est parti l'année dernière d'une discussion avec Céline sur voilà, un contexte possible, potentiel, de fil en aiguille, on arrive à ce projet-là qui est présenté. L'intérêt du projet, c'est comme tous les projets qu'on mène avec l'UTC, c'est des partenariats de recherche et d'innovation, au sens un contexte d'usage, une problématique technique sur laquelle on se retrouve sur des enjeux avec Kélis. Donc là, c'était la mise en place de Scénarii Dépôt. Vous verrez, il y a les prémices de ce qu'est aujourd'hui MyDépôt, qui sont mis en place dans EasyPad, et une logique de chaîne de production documentaire avec un accompagnement, une formation. Donc EasyPad, le contexte, hein, deux grands enjeux, la prise en charge des patients, donc je redonne les éléments, la chirurgie ambulatoire, en Picardie et ailleurs, vous rentrez le matin à l'hôpital, vous ressortez le soir, là où d'habitude vous passiez une nuit, voire deux, à l'hôpital. L'idée c'est de désengorger les hôpitaux, de réduire aussi le coût des interventions. C'est des sommes qui vont jusqu'à 2 à 3 fois moins chères pour le contribuable au niveau de la prise en charge. L'idée, c'est que sur des nouvelles opérations, le chirurgien fait l'opération et l'hôpital délègue ensuite à un infirmier diplômé d'état libéral, donc un IDL, dans le milieu on les appelle comme ça, donc à un infirmier, la prise en charge des soins. 2 interventions, une le soir et une le lendemain matin. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment une sorte de rupture dans la continuité des soins, où d'habitude tout se faisait dans l'hôpital. Et là, ce sont des infirmiers libéraux qui vont devoir assurer le suivi et la détection des éventuels incidents post-opératoires. Donc, informer notamment les infirmiers, parce que sur ces nouvelles techniques d'opération, qui sont beaucoup plus courtes, ce sont souvent des technologies dans lesquelles les infirmiers n'ont pas été formés au préalable. Et l'idée, c'est de replacer le patient au centre de ce dispositif, qui est une continuité et qui n'est pas rupture dans le processus de prise en charge. Des éléments de calendrier, donc il y a eu une phase 1 dans laquelle on n'intervenait pas en 2014, où là, EasyPad 1, prise en charge en présentiel dans le centre hospitalier de Compiègne-Noyon, d'une 40aine d'infirmiers, où ils les ont formés en présentiel aux gestes de suivi de protocoles opératoires propres au CHI-CHN, propres à l'hôpital de Compiègne. Donc, ils sont aperçus que ça marchait, la prise en charge ambulatoire. Ils avaient formé les 40 infirmiers en présentiel. Ils ont cherché à démultiplier le dispositif. Donc là, passage à l'échelle, avec notamment prise en charge des 22 établissements publics et privés de Picardie. Et ça représentait désormais 5000 infirmiers libéraux. Donc plus possibilité financière d'assurer des formations en présentiel. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place un dispositif de formation, d'auto-formation plutôt, à distance sur je vais m'auto-former sur ce geste-là parce que je sais que demain ou après-demain, je vais prendre en charge tel patient qui a suivi telle pathologie. Je regarde sur l'hôpital de Compiègne, j'ai la fiche, j'ai la vidéo, je me forme et j'ai les éléments pour prendre en charge correctement le patient. Donc dans ce cadre-là, on est intervenu, l'UTC qui pilotait le projet donc avec différents partenaires, sur la mise en place de cette plateforme. L'enjeu initialement, c'était vraiment de fournir les ressources. Ils souhaitaient qu'on prenne en charge la production des ressources. On aurait pu utiliser Scénarii, utiliser Word ou ce qu'on voulait. L'idée, c'était vraiment produire des ressources. Donc nous, l'idée, c'était quand même de fournir un dispositif pour qu'à l'issue du projet, il soit autonome pour vraiment continuer à produire et à diffuser ce projet. Donc deux types de ressources, des fiches techniques, donc là c'est du Optim, hein, c'est des fiches post-opératoires, des protocoles de prise en charge, dans deux versions, version web, version papier, pour impression, des vidéos enrichies, où là on a WebMedia qui intervient, l'idée c'est de filmer sur certains gestes particuliers, on ne l'a pas fait pour tous les gestes opératoires, il y a
y a des fiches pour tous les gestes, mais les vidéos, c'est certains gestes. L'idée, c'est que le chirurgien s'adresse directement à l'infirmier en lui expliquant ce qu'il faut faire. Alors, c'est intéressant, les premiers retours qu'on a eus, c'est qu'ils ont dit ce mano à mano, ce fait que le chirurgien s'adresse à moi en tant qu'infirmier, ça a beaucoup plu aux praticiens, aux infirmiers. Parce qu'ils ont dit, d'habitude, on a une rupture complète avec l'établissement. Là, la vidéo fait qu'on a une certaine proximité. On a des exemples d'infirmiers qui nous ont dit. Ben, le patient ne me croyait pas parce que c'était le docteur. Je lui dis, mais si, c'était le docteur. Oui, c'est ça. Je lui ai montré la vidéo du docteur qui s'adressait à moi. Ça rassurait. Il y a une sorte de proximité, le chirurgien qui s'adresse à l'infirmier et du coup indirectement au patient. Donc voilà, sur la pertinence de la vidéo, parce que concrètement, c'est ce qui coûte assez cher dans ce genre de dispositif. Donc le dispositif de diffusion est un espace de consultation qui était différencié. L'une des problématiques, c'était de dire les infirmiers peuvent consulter toutes les ressources des 22 établissements. Un établissement, lui, ne peut consulter que ses propres ressources. C'était un choix de mise en place. Et le patient peut lui accéder à des informations qui lui sont propres. Et en termes d'édition, l'idée, c'est que chaque établissement, à terme, devrait pouvoir produire ses propres ressources. Donc on voit qu'on a des logiques d'édition spécifiques et distribuées, des logiques de diffusion centralisées avec des accès différenciés. Très rapidement, le partenariat, donc pilotage UTC, Kélis sur le développement technique, donc là c'était des briques de dépôt qu'on a mis en place. Le tournage, donc au VivProd qui travaille avec nous sur du film institutionnel, Exosens avec Antoine pour la partie enrichissement des vidéos. Une équipe éditoriale, donc l'URPS, c'est les infirmiers libéraux, dont certaines personnes sont détachées pour faire de la validation et de l'intégration de fiches, et financées par l'Agence régionale de santé. Donc voilà, quatre grands enjeux, hein, des ressources. Nous, on a proposé que l'URPS soit autonome sur la production et également des expérimentations et une mise en production de systèmes de diffusion. Et bien sûr, une méthodologie pour accompagner tout ça. Donc, je ne vous fais pas une démo pour gagner du temps, je vous montre juste quelques petites captures d'écran. Donc là, vous avez la home page, hein, avec un espace infirmier, un espace patient, un espace établissement. Deux accès, un accès cartographique avec tous les établissements, un accès sous forme de liste. Pour voilà, aller au CHICHN. Des logiques d'authentification, parce que faut que chaque infirmier soit authentifié avec son numéro de praticien pour pouvoir se connecter et consulter les ressources. Un exemple de fiche de consultation, donc là, la version l'espace établissement, avec tous les gestes du protocole d'une fiche opératoire. Donc là, vous avez le protocole de suivi de la fiche, la cholecystectomie pour le geste opératoire, donc une version HTML, une version papier, la vidéo du praticien qui explique les différents gestes opératoires, une vidéo enrichie avec le sommaire. Donc là, l'intérêt, on a eu des retours, c'est vraiment de pouvoir facilement accéder à des conseils ou en fonction de je détecte un problème, je vais sur ce problème-là et j'ai des informations. Une version papier de mon conducteur de la vidéo. Et aujourd'hui, à terme, ce qu'ils envisagent, c'est à peu près plus de 100 fiches techniques dans les deux formats et une quarantaine de vidéos enrichies. Je vais revenir sur le processus de production. À la partie technique, je passerai assez vite parce que ça a été évoqué ce matin par Thibault. Mais c'est le processus de production des fiches assez classique. Hein. On a élaboré un modèle avec l'URPS. Ils sont autonomes, ils produisent dans Optime des fiches selon un template. Là, ce qui est intéressant, je vous donne des éléments de retour sur la production des vidéos enrichies. Donc c'est assez coûteux, assez long. Donc on a mis vraiment un protocole étape par étape avec des allers-retours de validation. Parce que tout ce qui est. Là, on est vraiment sur du geste médical et donc il fallait qu'on soit sûr de ce qu'on véhicule comme information. Donc là, vous avez avec les différents temps, là on parle en jours. Donc vous voyez, à partir du moment où on a fait le tournage, donc un tournage très contraint pour avoir une logique de collection et pour aussi gagner en temps, en efficacité dans la mise en œuvre. Donc là, on va conduire l'entretien selon une trame élaborée. On va faire une première version dégradée brute de la captation. L'URPS va valider, faire un bon à monter du discours pour savoir si le montage brut est valable. Il y a un montage final d'après le conducteur bon à monter de l'URPS. Une validation de la version finale, donc là des allers-retours entre l'URPS et l'équipe de production, montage-tournage.
Ensuite, on envoie à Exosens le fichier final monté, où là, il y a le même processus, mais sur l'enrichissement. On enrichit, on vérifie qu'on ne fait pas d'erreur sur la terminologie, sur la segmentation. Ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout, nous. Et donc, fallait mettre en place un protocole pour valider tout ça. Et donc, aujourd'hui, on arrive à peu près à T plus 45 jours à diffuser, à partir du moment du tournage, une vidéo enrichie. Je passe très rapidement sur le système d'édition. Donc là, on voit qu'on a plusieurs ateliers scénarii pour éditer les fiches, plusieurs ateliers scénarii pour éditer les versions web média enrichies. Ce n'est pas les mêmes droits. D'un côté, c'est l'URPS qui intègre des fiches. De l'autre côté, c'est Exosens qui enrichit des vidéos, des systèmes de validation. Et on pousse tout ça dans un dépôt scénarii. L'intérêt sur les vidéos, c'était que les vidéos sont transcodées automatiquement dans le dépôt scénarii. Donc on homogénéise la gestion et la diffusion. Donc voilà quelques petites remarques sur le dispositif. Transcodage automatique des vidéos dans le scénario dépôt. Le fait de pouvoir pointer des médias du dépôt pour centraliser. On en a parlé ce matin. Des choses que vous voyez aujourd'hui dans MyScénario avec les homepages, c'était le fait d'organiser les fiches et d'organiser les... Je sais pas, 3, 2, 3. D'organiser les fiches et les vidéos dans des pages portail d'établissement. Chaque établissement a son propre portail de ressources. Donc là, on voit l'espace de Compiègne avec les gestes marqueurs, certaines versions. Il y avait même d'autres documents qui étaient des fiches de présentation. Donc chacun a vraiment ses propres informations. Donc on a mis en place, donc c'est ce qu'avait montré Thibault ce matin, une sorte de page, un modèle home pour pointer vers les différentes ressources qui sont centralisées sur le dépôt. Donc là, on avait vraiment une continuité où, en plus des ateliers scénarii distribués, on avait au milieu un atelier pour éditer, pour pointer les différentes fiches. Donc on organise tous nos documents dans un système qui permet de passer de l'édition à la diffusion. Donc voilà, des éléments, la différenciation, on en parlait des droits d'accès. Le suivi statistique où on a mis en place, comme on diffuse avec scénarii dépôt les informations, on a accès à toutes les informations de connexion. Donc on est en train de mettre en place de l'exploitation de quelles sont les vidéos les plus lues, les temps de connexion, les temps de consultation, ce genre de choses. Donc voilà la synthèse du projet avec le schéma. L'intérêt pour leur RPS, hein, aujourd'hui ils sont plutôt satisfaits, on a fait une réunion de mi-parcours avec eux il n'y a pas longtemps. C'est vraiment cette élaboration conjointe de la méthodologie de production. On essaie vraiment de voir dans leur pratique le schéma le plus simple pour pouvoir harmoniser tout ça. On voit qu'on a des acteurs très différents, des circuits de validation, des types d'objets très différents, des fiches, des vidéos enrichies, du montage. On a réussi à harmoniser tout ça dans un dispositif de production avec un serveur scénarii et des droits d'accès, mais également une chaîne cohérente où maintenant on fait l'édition, la publication, la diffusion dans le scénario de dépôt, et on fait aussi du suivi, bon, basique pour l'instant, mais de statistiques d'utilisation. L'idée étant de leur passer peu à peu la main pour être complètement autonome sur la diffusion. Et voilà. Très bien pour l'espace synthétique et le respect du temps. Des questions? Pas de questions? Moi, j'aurais une remarque. Est-ce que je vois une sorte de généricité par rapport au problème de transmission de l'information qui revient de façon récurrente sur le sujet? Est-ce que vous avez eu des contacts ou des éléments déjà de gens qui seraient intéressés par justement le modèle, entre guillemets, autour de cette notion de relais de transmission? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique où on voit que cette chaîne de production-diffusion, MyDepot, le MyScénario MyDepot, c'est le même genre de choses. Mais par contre, au niveau métier, dans le milieu médical, on a rencontré l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, des sociétés qui accompagnent l'URPS, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des boîtes de prestations ou des partenaires plutôt techniques. Et du coup, tous ont été assez impressionnés et nous encouragent à continuer parce qu'ils disent que c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, cette logique de production, de structuration d'informations, dans le milieu médical, on a assez peu de contacts là avec Scénarii. C'est une première. Voilà, il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Ludovic, Je te réitère ma question de ce matin. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir ces applications sur mobile? Parce que la plupart des intervenants... Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a fait, une logique de déclinaison responsive, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un module ou une connexion, on peut consulter sur sa tablette ou sur son téléphone les contenus.
Par contre, on n'a pas mis en place, et on en a discuté avec eux, c'était pas pour eux, ils ont estimé qu'ils ont toujours une connexion, de téléchargement offline des contenus. On a toujours une connexion. Le postulat étant que soit ils consultent en amont pour préparer leur visite, soit après leur visite, soit pour ceux qui ont même des applis métiers, ils ont toujours une connexion. Donc aujourd'hui, il n'y a pas typiquement de scénario reader derrière, il n'y a pas de mode de consultation offline. Très bien. Ben maintenant, on va aborder avec Laetitia Réunia. Avec Aurélie Réunia, qui, pour l'anecdote, est pour moi l'ancêtre de Bazar, hein, en tant que tel. Voilà. Bonjour, donc Aurélie Castis à l'Université de La Réunion. Donc voilà, je vais vous présenter un modèle très très simple, Réunia, qu'on avait présenté il y a 2 ans, mais dans son contexte. Dans son contexte EPS école, donc plus spécifique, mais on a créé un modèle qui se veut générique. Donc pour resituer le contexte, c'était un appel à projet UV2S pour médiatiser des fiches d'activités pédagogiques en EPS à l'école. Donc en fait, c'était remédiatiser un site de fiches HTML qui avait été créé par un enseignant, un couple d'enseignants. Les Gérard, assez connus dans le domaine de l'EPS, qui était très visité, mais qui était avec une technologie assez ancienne, donc avec des difficultés, des lourdeurs pour la mise à jour. L'idée, c'était de mutualiser des scénarios d'activité, donc des scénarios de formation à différents niveaux. C'est vrai que moi, quand il m'a présenté son projet, j'ai vu le côté scénario pédagogique. L'idée, c'était de créer un modèle dérivé d'Opal, mais très simple, et de le rendre suffisamment générique pour pouvoir éditer des scénarios pédagogiques et diversifier les utilisations. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup communiqué dessus pour monter d'autres types de projets. Donc l'objectif, c'est de présenter des scénarios pédagogiques et les structurer en séquence. Donc... eux, ils ont appelé ça unité d'apprentissage et situation d'apprentissage, mais c'est en gros différents grains d'activités qui vont être structurés, organisés en séquences plus importantes. Bon. Au niveau des publications, on a fait assez simple. On avait un budget très serré. Donc on a fait quand même un modèle assez simple sur des publications HTML et PDF. Là, c'est vrai qu'on a orienté par rapport à notre projet au plus simple. L'idée, c'était que ça soit adaptable sur tablette, notamment pour les profs d'EPS, mais d'avoir son déroulé d'activité sur une tablette. Donc avec une mise en forme, un chartage assez simple. Donc c'est vraiment avoir, en fait, c'est avoir son scénario de formation en parallèle de son support, qui utilisera pas forcément les TIS, mais là, dans mon cas, ça sera pour une formation TIS. Et c'est aussi, ça peut être finalement une étape pour prendre en main Opal, parce qu'on a un petit peu la même logique que dans Opal, mais en version très simplifiée. Ça peut être très adapté à des formateurs indépendants qui commencent à se lancer dans une formalisation de leurs documents, de leurs supports. Et aussi, l'idée, c'est de mutualiser. On voit souvent qu'on a des difficultés à mutualiser les supports de formation. C'était le cas pour les supports de formation scénarii. C'est vrai qu'on a tendance à se passer, mais on n'a pas forcément la même manière de l'aborder. Et par contre, donner des idées de scénarios de formation quand on cherche des activités un peu plus élaborées que simplement de la présentation. Et après, ça peut être intéressant, à mon avis, pour les progressions pédagogiques des enseignants du secondaire. Donc, le contexte là d'utilisation, c'est une formation
en FOAD, donc construction de parcours d'apprentissage à des enseignants de français en Tanzanie. C'est un public totalement novice avec peu de formation en informatique. Et donc l'idée de les former à Moodle et à Opal sur une durée de 15 jours avec des problématiques matérielles et un déroulé qui devait être très très progressif pour s'adapter à un public très hétérogène. Donc le fonctionnement de Réunia, c'est basé sur Opal, je vais vous montrer rapidement. Donc c'est un projet qui a déjà 3 ans. On était parti un peu en avance sur Scénari Chaîne 4, donc ça change assez rapidement. Donc on a uniquement 2 items, 2 principaux items, la situation d'apprentissage et l'unité d'apprentissage. L'unité, c'est une collection de situations d'apprentissage. Donc on retrouve 2 onglets édition publication, donc plus proche de Opal Starter. Et l'idée, donc titre d'activité, activité, niveau, tous les éléments pour référencer bien les fiches, pour retrouver facilement les séquences et les situations. Et après, les compétences. Alors là, c'est par contre un peu du vocabulaire qui est peut-être associé à leurs habitudes. On parlait de compétences spécifiques. Ça reste assez générique, mais c'est peut-être pas optimum. Compétences en fin de cycle. Et toujours, on avait développé, je crois que c'est pareil dans Bazar, un item remarque où, en fait, on peut là insérer un titre et comme ça peut s'adapter à vos propres scénarios, au type de remarque que vous pouvez ajouter. Et à l'intérieur d'une unité d'apprentissage, on glisse différentes situations. Donc une situation d'apprentissage, c'est pareil, titre, activité, niveau, des mots-clés, les objectifs, les compétences, et ensuite comment on va organiser l'activité. Donc là, pour les formations Moodle et Opal, c'était aussi de proposer, de mutualiser entre les ingénieurs pédagogiques des types d'activités. Sachant que là, je suis allée très finement, c'est-à-dire que au niveau de l'unité, j'ai la formation Opal, et chaque situation correspond à des activités. Ce n'est même pas une demi-journée. Hein. C'est pour s'adapter au plus près du déroulement de la formation et du rythme des apprenants. Donc, organisation. Alors là, on avait choisi en fonction des champs, mais dans organisation, on a des champs enrichis où on peut mettre tableau, images, médias, matériel, consignes générales, critères de réussite. Donc là, je ne l'avais pas mis parce que c'était découvrir la chaîne. Critères de réalisation, variables didactiques. Alors, c'est vrai que sur variables didactiques, on voit qu'on rentre quand même dans un vocabulaire un peu plus spécifique. Moi, j'ai fait un peu du détournement. Je l'ai utilisé pour proposer des activités supplémentaires pour les personnes les plus avancées dans la formation. Et toujours, autre rubrique, une rubrique en fait divers où quand je mets un titre, ça prend le titre dans ma fiche. Donc au niveau de la publication, on arrive sur une présentation très très simple à partir de la charte bulle. Donc ça, c'est la publication HTML pour l'unité et derrière toutes les situations. Et ça, la publication pour la situation d'apprentissage. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des fiches que je peux avoir sur ma tablette et que je suis durant ma formation. Et donc le principe dans EPS École était vraiment basé sur ça, c'est pour ça qu'on a créé un modèle, c'est de mutualiser les scénarios, que chacun puisse, au sein d'une communauté, reprendre les scénarios, les modifier et s'en inspirer ajouter des scénarios à une banque commune. Donc on est vraiment sur un modèle hyper simple.
de scénarii, mais c'est vrai que ça permet de prendre en main aussi OPA le plus facilement. Et voilà. Donc voilà, si vous avez des questions. Bonjour. En fait, ça ressemble beaucoup à Bazar. Mais je n'ai pas compris si ça a été fait en parallèle par rapport à Bazar, non, ou ça a été inspiré par Bazar. Ça a été fait bien avant, en fait. D'accord. Comme je vous le disais, un jour, j'ai entendu Aurélie présenter ça et je me suis dit, scénarisation, c'est simple, l'idée est intéressante, il y a quelque chose derrière. Et voilà, on a lancé. Du coup, il y a quelque chose autour de la scénarisation, on pourrait faire quelque chose. Et c'est la genèse, hein, c'est pour ça. C'est vraiment né comme ça. Elle a fait une petite présentation. Donc c'est vrai que moi, ma présentation était plus sur EPS École. Donc voilà, j'avais orienté. Et là, l'idée, c'était de montrer sur une formation qui n'a rien à voir, une formation TIS, comment on pouvait générer d'autres projets. Mais je n'étais pas là aux journées l'année dernière, donc je n'ai pas pu voir aussi Bazar. Donc c'est à creuser, voir les liens qu'on peut mettre en place. Parce qu'en plus, moi, c'est un modèle qui sera pas, qui a été financé sur appel à projet et qui sera certainement pas maintenu au-delà. Donc, l'idée, c'est surtout de voir les ponts avec Bazar et voir comment ça peut. Il faut que je teste plus. Juste pour compléter, hein, pour remettre l'historique, si on remonte encore avant, moi, il y a Oisif, voilà. Donc voilà, effectivement, quand Aurélie, Manuel m'avait dit, mais regarde ce que fait Aurélie sur Réunia. Donc on avait regardé, moi j'avais regardé Réunia, c'était aux prémices de Bazar. On avait conclu, hein, sur des échanges de mails, on s'était dit, c'est pas tout à fait la même chose. Moi je savais pas où on allait sur Bazar. Il y avait un besoin très clairement identifié de la UF par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Et effectivement, il y avait le modèle qui n'était pas forcément prêt à évoluer. Nous, on avait des contraintes de temps très rapides par rapport aux besoins de la UF. On ne pouvait pas partir sur une dérivation par rapport aux architectures techniques, donc on est parti sur notre propre modèle. Là, on en rediscutait juste après ma présentation de ce matin avec Mona, avec Aurélie. L'idée, comme le modèle réuni a priori ne va pas forcément continuer, c'est plus de s'appuyer sur l'expérience que peut avoir Aurélie pour améliorer Bazar, pour faire évoluer ensemble. Donc, voilà. C'est ça, parce qu'en fait, moi, Réunia, ça a été vraiment créé pour un projet de remédiatisation de ces fiches, avec l'idée en profiter pour le rendre générique. Après, derrière, nous, on n'a pas l'équipe pour développer, maintenir et rendre encore plus générique ce type de modèle. Et Bazar, qui a été créé dans le cadre, avec ce besoin de la UF, c'est pareil, on est obligé de coller au besoin initial. Et je pense que ce n'est pas la même logique quand on fait un modèle générique comme pour Opal, Optim ou quoi. Alors, je fais le lien avec ce qui est la présentation de ce matin de l'Armée de Terre, qui insistait particulièrement sur la nécessité d'accompagner le formateur déjà dans la scénarisation avant d'attaquer la scénarisation documentaire en tant que telle. Je pense que ça fait vraiment écho avec le temps. On voit bien que non seulement on traite du document, mais on traite de bien d'autres choses aussi, y compris pédagogie. Bonjour, Camille Carlier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, hier, donc Camille Carlier, je travaille au service TIS de l'Université Lille 2 et je suis accompagnée de mon collègue Nicolas Desrumeaux, donc qui a travaillé avec moi. C'est l'enseignant en fait qui a travaillé avec moi sur le Serious Game qu'on va vous présenter. Donc, c'est un serious game sur la résolution d'un cas pratique en droit. Donc, plus précisément sur le contrôle de constitutionnalité de la loi. Donc, on avait d'abord pensé à le faire porter sur la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Mais pour finir, on a plutôt choisi la réforme des professions réglementées.
Voilà. Donc pour la mise en place, pour le contexte, donc, c'est dans le cadre d'un dispositif d'aide à la réussite au sein de la faculté de sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université Lille 2. Un dispositif qui s'est mis en place dans le prolongement du PREL, donc, qui est un dispositif d'aide à la réussite financé par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, à destination des étudiants de premier cycle, et qui consiste en des ateliers méthodologiques animés par des Master 2, donc des étudiants de fin de cursus. Et des séances de tutorat individuelles. Donc pour ça, on a équipé également une salle qu'on a transformée en centre de pédagogie innovante. Donc voilà. Et le projet est né en fait donc déjà d'une collaboration avec le SPIN, qui est le service TIS de l'université, dans le cadre de ce dispositif, mais également donc de l'équipement du centre de pédagogie donc innovante, qui permettait d'avoir à la fois le lieu et le matériel, puisque les étudiants disposent dans ce centre d'ordinateurs pendant les ateliers. Et également, le fait d'être en atelier méthodologique, donc avec très peu d'étudiants en fin de compte, qui donne un contexte à l'expérimentation pédagogique, et notamment des Serious Games. Et puis finalement, une formation à Topaz que j'ai suivie, qui a été financée par l'UNR Nord-Pas-de-Calais. Et puis l'implication de mon collègue Nicolas Desrumeaux et le soutien de la responsable du dispositif qui est Céline Le Borgne-Inchard. Tu voulais ajouter quelque chose ? On a commencé donc par le scénario, donc on s'est retrouvé pour que Nicolas puisse m'expliquer un petit peu la méthodologie du cas pratique en droit. Donc globalement, sur un tableau blanc, on a schématisé un petit peu tout ça, gribouillé, etc. Et puis ensuite, il y a une phase de numérisation donc de ce schéma initial qui a permis de pouvoir faire évoluer le schéma au fur et à mesure de nos besoins, et puis surtout de prévoir l'intégration dans le logiciel Topaz. Donc, des échanges jusqu'à la version finale, en fin de compte, il y a eu 6 versions du scénario. Donc, pour la phase production, je te laisse peut-être... Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, s'agissant de la phase de production, je vais vous expliquer très brièvement comment nous avons travaillé. Je suis parti d'un exercice relativement simple qui consiste à confronter la loi à la Constitution. On sait en France que les lois sont valides si et seulement si elles respectent la norme suprême, et ça fait partie des exercices classiques qu'on demande à des jeunes juristes pour qu'ils apprennent à confronter le contenu d'un texte à un autre texte. Donc sur le plan méthodologique, c'était relativement simple. Et je me suis donc attelé à rédiger le cas et une solution qui puisse leur permettre d'explorer l'ensemble des outils du droit. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un scénario qui aboutisse à une solution toute simple, toute prête à penser, mais qui leur permette d'explorer aussi la complexité du droit, la variété de ses sources, et de faire un petit exercice de gymnastique intellectuelle qui soit transférable dans un schéma tel que celui que Camille vient d'évoquer. Alors, bien évidemment, mes ambitions en tant que juriste étaient peut-être un peu excessives sur certains points. L'outil technologique nous permettait aussi d'aller plus loin sur d'autres. On a donc trouvé un juste équilibre entre la complexité du scénario et l'élaboration et la réflexion dans le cas. Après plusieurs semaines de travail, de correction, d'essais, d'erreurs, on est parti d'un scénario qui était très linéaire, avec des étapes qui étaient vraiment bien distinctes, de manière très, très segmentée, à quelque chose qui soit un peu plus modulaire, qui permette aux étudiants d'explorer tel ou tel champ de la doctrine, puis ensuite de faire des petites pérégrinations dans les textes, ou encore entre deux, avant ou après, d'aller chercher de la jurisprudence. Donc quelque chose qui puisse, par la suite, être transféré à d'autres types d'exercices juridiques. Voilà, donc l'intégration technique, je te laisse. Donc c'est Scénario Topaz qui a été évidemment utilisé pour l'intégration technique du Serious Game. J'ai travaillé également à la conception d'une charte graphique donc, qui est propre à ce Serious Game. Comme vous allez pouvoir le constater dans les captures d'écran, la mise en place d'un univers graphique. Donc là, on avait plusieurs pistes. On pouvait pas aller trop loin dans le sens où il n'était pas question de commencer à concevoir des images dessinées, etc. Donc on a été d'abord parti sur quelque chose de peut-être un peu plus naïf, et puis pour finir, on est parti sur de la capture d'écran d'un jeu vidéo existant qui s'appelle Les Sims 4. Voilà.
Je précise que les droits d'auteur ont été respectés. Voilà, donc pour ma partie, en temps homme, je l'estime à environ 2 mois de travail temps plein, dont la conception de la charte graphique qui est inclue dans ces 2 mois et qui, s'il devait y avoir une massification de l'industrialisation de la conception de Serious Game, serait reprise et donc du coup allégerait un petit peu ce temps homme évalué. Donc actuellement, on est en fin de phase de finalisation. Donc il y a un guide enseignant qui a été conçu pour pouvoir tester la ressource et qui sera mis à disposition des enseignants utilisateurs également, pour qu'ils n'aient pas à faire l'ensemble du jeu pour pouvoir savoir où aller. Des tests d'enchaînement donc, qui ont été faits par les tuteurs de l'aide à la réussite, donc, pour vérifier effectivement que tout a été intégré correctement et que les étapes s'enchaînent bien les unes après les autres, dans l'ordre prévu. Un retour également, mais vraiment léger, des tuteurs concernant le fond, savoir si c'était adapté à des étudiants de L1, puisque forcément le public initial c'est des étudiants de L1, mais pas que, hein, il pourra être complexifié pour l'adapter à des étudiants de second cycle, et puis les ajustements en conséquence. Donc au niveau des objectifs, donc effectivement, ce sont les objectifs fixés par Nicolas de résoudre un cas pratique, de rechercher, s'approprier les ressources documentaires pertinentes, d'organiser l'exploitation des ressources identifiées, questionner les textes, exploiter la jurisprudence et mobiliser la doctrine. Juste un tout petit point de détail, bien sûr, l'étudiant est guidé, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire une recherche en bibliothèque intégrale à partir de rien. On ne lui demande pas de remplir des champs qui sont entièrement vides. Il y a des pastilles, il y a des choix multiples qui sont proposés. De temps en temps, c'est sous forme de champs à remplir. De temps en temps, c'est sous forme plutôt de QCM ou de questionnaires à choix unique. Donc voilà. Et puis, effectivement, les collaborations avec les collègues qui sont prévues dans le Serious Game. Donc, une démo, mais par capture d'écran, hein, pour ne pas commencer à le lancer. Donc, l'étudiant commence un stage au sein du Conseil constitutionnel, stage virtuel, bien sûr. Donc, il travaille sur le contrôle de constitutionnalité de la loi. Et donc, il va suivre donc, les différentes étapes de l'analyse juridique en rapport avec le contrôle de constitutionnalité, donc la jurisprudence, la constitution, comme on peut le voir là, la constitution, les auteurs, etc., remettre son travail, composer une note. Pour chaque étape, il met en œuvre la méthodologie appropriée. Donc, comme disait Nicolas, effectivement, il est guidé. Il y a des liens qui sont faits, des renvois vers la constitution, par exemple, ou vers des décisions pour ce qui est de la jurisprudence. Et puis, surtout, pour chaque étape, on a prêté une attention particulière au retour, au feedback, en fin de compte. Donc, l'étudiant, quoi qu'il réponde, que ce soit la bonne réponse ou la mauvaise réponse, à chaque fois, il a un feedback, et pas qu'il se contente de dire « vous avez bon ou vous avez faux », mais qui explicite le point de cours, de sorte à ce qu'il ait l'ensemble des éléments qui lui permettent soit de se corriger ou soit de comprendre pourquoi il a eu bon, si toutefois il avait coché au hasard, par exemple. Donc voilà, et ensuite la phase d'exploitation. Donc un dépôt sur Moodle au format SCORM pour les enseignants de la faculté de droit de Lille 2. Une ouverture à la communauté universitaire avec un démo, une ressource web sur un serveur web, donc en démo entre guillemets, et puis éventuellement pour les personnes que ça intéresserait, la possibilité de fournir un SCORM et un guide enseignant sur demande. Éventuellement un lien avec l'UNJF, donc une mise à disposition également sur l'UNJF. Et puis à la faculté, ça a donné des idées à des enseignants et un nouveau projet est en préparation éventuellement. Voilà. Donc merci pour votre attention et si vous avez des questions. C'est pas sûr que ça fonctionne. Ah, ça y est, ça fonctionne. Donc Vincent, ministère de la Défense. En règle générale, dans les Serious Games, ce qu'on aime bien faire par rapport à l'élève, c'est mettre en place une progression, lui montrer visuellement comment il progresse à l'intérieur du Serious Game. Est-ce que c'est mis en place ou pas ? En quelque sorte, mais les juristes sont des gens de texte. C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que le jeu avance, ils composent un paragraphe qui aboutira à la sanction du Conseil constitutionnel. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les réponses sont données,
il a différentes options qui lui permettent de composer le texte qui sera le produit fini de son aventure. D'accord, mais visuellement, c'est pas très joli à regarder. Il n'y a pas d'effet graphique particulier qui reflèterait cette progression. D'accord, parce que la question, c'était sur l'ensemble du Serious Game, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir ou de mettre en place une barre de progression qui justement progresse au fur et à mesure que l'étudiant remplit les étapes? Alors, ça n'a pas été fait pour l'instant. Éventuellement, c'est envisagé de mettre ça en place éventuellement au moyen d'une mascotte. Là, actuellement, en fin de parcours, mais vraiment tout à la fin, quand il arrive sur l'étape finale qui lui dit c'est très bien ou au contraire c'est game over, il a l'ensemble de ses résultats aux différentes étapes. C'est-à-dire, on va lui dire, donc la jurisprudence, c'est un parcours qui a été réaffecté sur 3 points, par exemple. Donc, il suit tout un parcours, il cumule des points, etc. Disons que comme je m'en sers pour la progression de l'étudiant dans les différentes étapes, c'est pas très révélateur de lui montrer ce score-là. Donc j'ai utilisé une réaffectation. Et donc du coup, il voit s'il a, donc c'est sur 3, s'il a 0, 1, 2 ou 3. Mais c'est à la fin, effectivement. Ce serait peut-être pertinent de lui mettre avant. Ou peut-être c'est plutôt l'utilisation d'une mascotte qui lui permet de voir à quel stade de progression il en est dans le jeu. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'à la fin des étapes donc de la problématique et des 3 étapes qui sont vraiment primordiales en résolution de cas pratiques, il y a la possibilité donc, pour les étudiants de premier cycle de cliquer sur « Demander l'aide de mon chargé de TD » et le chargé de TD va orienter vers l'étape suivante. D'accord, merci. Voilà. Oui, j'ai juste une petite question qui concerne peut-être Camille. Tu évoquais tout à l'heure l'histoire des feedbacks en cas de réussite ou d'échec sur le question. C'est le même feedback ou c'est des feedbacks différents? J'ai pas bien compris le... Alors, c'est pas le même feedback, puisqu'en fait, le feedback en cas d'échec, il est légèrement plus complet. Voilà. D'accord. En cas de réussite, il reprend quand même un point de cours, mais de façon moins détaillée, puisqu'on part quand même du principe que l'étudiant a eu bon en espérant que ce ne soit pas par hasard. Il ne fait que confirmer effectivement qu'il a choisi le... Mmh. Okay. Bonjour. Bonjour. Ça a été réalisé sur un Topaz standard. Il n'y a pas eu de développement particulier sur... Non, pas de développement, à part une charte graphique, mais pas de développement particulier. Non. D'accord. Et vous aviez dit, donc c'est Nicolas, que vous aviez été bloqué à certains endroits par le logiciel ou par la technique, et inversement que ça vous avait permis de faire des choses que vous n'aviez pas pensé au départ. Est-ce que vous pouvez... Oui, illustrer, bien sûr. Alors, juste un exemple de limite technique de l'outil, c'est quand on demande de construire une réponse élaborée, sujet, verbe, complément, qui pourrait être validée par l'ordinateur, par la machine. Il suffit d'un espace superflu ou d'un espace qui n'est pas placé correctement, d'une faute d'orthographe, d'une erreur dans la grammaire pour que une solution bonne devienne fausse. Donc la réintroduction de l'humain dans l'appréciation qualitative de la réponse est une des limites très claires de l'outil. En revanche, ce qui était intéressant pour moi, ça a été de réfléchir à la manière dont on pouvait dépasser le traitement d'un cas pratique et éclater un peu la solution pour en traiter plusieurs morceaux, plusieurs petits bouts d'un côté puis de l'autre, et ensuite recomposer une réponse correcte globale. Et là, pour le coup, c'est très intéressant de voir que ce type d'outil peut dépasser certaines chapelles, certaines façons de penser juridique ou certaines habitudes qu'on peut prendre, remettre en cause un peu nos habitudes pédagogiques pour essayer de trouver quelque chose de neuf, de différent et d'innovant. Et de ce point de vue-là, je suis assez content d'avoir mené cette collaboration. Ça m'a permis de peut-être devenir un peu meilleur en résolution de cas pratiques juridiques. Bah, je vous propose de passer à la présentation suivante. Donc, Profitroll avec Anne et Pierre. Anne ou Annie ? Annie.
Bien, bonjour à tous. Donc j'ai pour mission de vous parler un peu de profiterole, non pas de profiterole au chocolat, mais d'un module d'enseignement appelé profiterole, qui est un module qui consiste en un module vraiment complet, à la fois d'enseignement en présentiel et d'enseignement à distance, basé sur un jeu sérieux. Donc ce module d'enseignement est destiné à la formation des pharmaciens, des étudiants en pharmacie qui se destinent donc à la filière officine, qui est la grosse filière des études ici à Lille. Alors, dans quel contexte ce Serious Game a été créé ? On avait deux problématiques ici à la faculté. La première, c'était qu'on était en pleine réforme des études de pharmacie, avec un arrêté de ces nouvelles études qui nous imposait une professionnalisation de plus en plus poussée de nos étudiants. Et l'autre problème, c'est qu'on est confronté à des grosses promos d'environ 200 étudiants par année. Et il était inconcevable de professionnaliser 200 étudiants par des mises en situation en présentiel. Alors pourquoi également enseigner avec un jeu sérieux d'un point de vue de l'étudiant ? C'est la possibilité pour l'étudiant de développer certaines stratégies d'apprentissage qui vont lui permettre d'adapter, d'utiliser la théorie qu'il a vue en enseignement à la pratique professionnelle. Et puis, bien sûr, de gagner en autonomie et de prendre de plus en plus d'initiatives qui sont demandées dans sa future profession. Alors, l'autre pendant à ce projet, c'est que ici à la faculté de pharmacie, un groupe d'enseignants était déjà constitué, qu'on appelle le groupe Givre, que vous avez sans doute rencontré, enfin en tout cas les membres de l'équipe. Donc le Givre, simplement pour vous définir un peu l'acronyme, c'est le groupe pour l'innovation, la valorisation et la réflexion sur l'enseignement. Donc c'est un groupe qui est constitué de 9 enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Donc vous avez des disciplines comme la statistique, l'immunologie, la parasitologie, la pharmacie clinique, la galénique, les sciences végétales et fongiques. Et puis on est venu en renfort d'un ingénieur TIS qui est Katia, que vous connaissez tous. Donc ce groupe s'était déjà réuni en amont du projet pour discuter de l'évolution des enseignements au sein de la faculté. Et dans le cadre d'un appel à projet de l'Université de Lille 2, on a décidé de déposer Profiterole, qui veut dire pratique officinage et jeu de rôle, pour essayer de confronter à la fois l'arrêté des études et notre envie d'essayer d'innover un peu au niveau pédagogique. Alors pourquoi un jeu sérieux pour ces étudiants ? Déjà, les étudiants qui quittent la faculté de pharmacie ont finalement au cours de leur cursus eu peu de stages. En gros, ils en ont eu 4, si je ne m'abuse, et un gros stage de 6 mois à la fin de leur cursus. Et pour nous, il est inconcevable qu'un pharmacien soit confronté la première fois auprès du patient. Donc l'idée du jeu sérieux, c'est de permettre de dégrossir un peu l'étudiant et de faciliter la confrontation avec le patient ultérieurement. Donc je l'ai dit, l'autre idée aussi, c'était d'essayer que nos étudiants acquièrent une systématisation des informations transmises au patient et bien sûr d'encourager la collaboration entre les étudiants dans un premier temps, et puis plus tard, entre les professionnels de santé. Alors, quels sont les objectifs du jeu sérieux qu'on a appelé ICADUC ? Donc, l'objectif est basé avant tout sur la pratique officinale, donc qui est de permettre aux étudiants de rationaliser la dispensation des médicaments, de leur permettre d'avoir auprès du patient, de proposer un usage approprié des médicaments et des produits de santé, d'être en adéquation avec la demande du patient, mais aussi d'être pertinent sur les informations transmises au patient. Et puis, il y a une mission du pharmacien qui arrive actuellement, qui est le suivi du patient et l'éducation thérapeutique du patient. Et donc, ICADUC se base sur la conception de 4 comptoirs à l'officine, donc qu'on veut le plus transversal possible.
Alors, quels étaient nos besoins et nos contraintes concernant la production de ce jeu sérieux? Il nous fallait envisager un jeu sérieux pour lequel le parcours ne serait pas linéaire, c'est-à-dire que la résolution d'un cas permettrait d'orienter le parcours de l'étudiant vers d'autres cas, plus ou moins difficiles, selon son pourcentage de réussite. Donc ce parcours était conditionné selon la réussite aux exercices de l'étudiant. Il nous fallait aussi pouvoir faire le suivi de ces étudiants, puisque, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un enseignement qui allie à la fois du présentiel et de la distance, et donc il nous fallait, nous, en tant qu'enseignants, pouvoir récupérer les informations de parcours des étudiants. Le monde du médicament est aussi un monde qui évolue très vite, et nous devions pouvoir actualiser rapidement les cas, un médicament qui est supprimé du marché ou un nouveau médicament qui arrive sur le marché. Donc il nous fallait pouvoir revenir très facilement sur le cas et donc actualiser et faire des mises à jour le plus possible, ce qui n'est pas envisageable lorsque vous partez sur des prestations totalement externes. Comme vous l'a dit Camille tout à l'heure, on travaille beaucoup avec la plateforme Moodle et nous aussi, il nous fallait pouvoir diffuser notre Serious Game via la plateforme LMS Moodle. Et on avait aussi l'envie de que ce module soit accessible sur smartphone. Pour agrémenter ça, il nous fallait pouvoir motiver les étudiants à cet apprentissage, à cette nouvelle mode de formation, et puis augmenter leur adhésion. Donc on a voulu, en plus de toutes nos contraintes, créer un univers totalement immersif. Alors le groupe Givre et ses membres travaillent depuis longtemps sur Scénarii de chaîne et sur Opal, et puis on est parti sur cette chaîne éditoriale avec l'appui de Katia pour le passage sur Topaz. Alors, la production du contenu, c'est-à-dire la production des quatre comptoirs, est basée sur le modèle Opal, que tous les enseignants du groupe Givre maîtrisent parfaitement ici à la faculté. Ce contenu est ensuite transféré, on va dire entre guillemets, dans le modèle Topaz, qui est lui agrémenté d'un programme JavaScript qui permet de contrôler le moteur du jeu. Alors, ce moteur du jeu va permettre à l'étudiant d'avoir un parcours dans une carte de navigation. Donc, en gros, c'est une ville dans laquelle l'étudiant aura accès donc, à un centre de formation, à l'officine où il va aller travailler, à un café, une salle des trophées. Et puis, lorsqu'il rentrera dans l'officine, il aura à ce moment-là accès aux quatre comptoirs. Il y a aussi un mode énigme, c'est-à-dire que le soir, lorsque l'étudiant finit le stagiaire en formation finit sa journée de travail, il peut être amené à résoudre des cas énigmes qui viennent en plus et qui sont construits un peu différemment du cas de comptoir classique. Alors, cette carte de navigation, elle est bien sûr, elle a été externalisée, puisqu'on travaille en 2D, donc qui a été réalisé par Algorithmique. Et puis, certains moments du jeu sont agrémentés par des scénettes 3D. Donc, ce sont des moments clés du jeu. Et ça également, on a été obligé de faire ça via un prestataire externe qui est Animedia. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez les coches ici, c'est ce qui a été réalisé. Donc, sur la production du contenu, on est à peu près OK. Le projet est vraiment très bien avancé. Concernant la diffusion du contenu, cette fois, donc notre jeu, iCaducée, est principalement diffusé sur la plateforme Moodle. Et le suivi de l'étudiant est réalisé grâce à un plugin Topaz Moodle qui nous permet de remonter toutes les informations. Ainsi, l'enseignant peut avoir à tout moment le suivi d'un ou de plusieurs étudiants. Alors, c'est du suivi qui est vraiment très poussé, puisqu'on peut avoir le pourcentage de réussite globale sur l'ensemble du jeu, le pourcentage de réussite par cas, le pourcentage de réussite par thème, le temps passé de l'étudiant sur,
sur le jeu, etc. Et ça, c'est rendu possible grâce au développement de ce plugin. L'autre diffusion possible, et ça, c'est en cours de processus, hein, c'est la diffusion sur smartphone, donc via Scenery Reader. Et donc ça, pour l'instant, on est encore en phase de construction. Donc ce qui est fait actuellement, hein, c'est le plugin Topaz Moodle et puis le suivi de l'étudiant. Alors nous avons pu tester cette année ce module enseignement. Donc, c'est un module qui est destiné aux 5e et aux 6e années, aux étudiants de 5e et de 6e année des études de pharmacie. Donc ça comprend environ 130 étudiants chaque année. Donc module mixte, présentiel, distanciel. Donc on a deux unités d'enseignement sur l'année qui équivaut à environ 50 heures apprenant. Donc comment ça se passe? On a tout d'abord en début d'année une séance présentielle qui permet d'expliquer un peu le fonctionnement du jeu. Et on laisse travailler les étudiants pendant une petite heure sur le module, en ED. Et ensuite, ils rentrent chez eux et pendant 12 semaines, on les laisse travailler en totale autonomie. Alors, sur Moodle, on a laissé un forum technique qui nous a permis qui permet aux étudiants de faire remonter tous les problèmes techniques par rapport au jeu. Je suis bloquée à tel endroit, aidez-moi. Ou alors, un forum pédagogique qui permet aux étudiants de revenir auprès des enseignants en cas de problème sur une réponse à une question, il n'est pas d'accord avec un feedback, etc. Et donc, il peut nous remonter l'information. Ensuite, on revient auprès de l'étudiant avec une séance en présentiel, où là, on met en situation pratique les étudiants. Donc, on avait conçu le module pour que notre suivi nous permette de savoir où les étudiants ont eu le plus de difficultés. Et donc, quand on les met en présentiel, donc dans l'officine virtuelle, on peut retravailler certains cas particuliers. Et donc là, on les met patient contre pharmacien et on les fait pratiquer en situation réelle le cas. Donc ça permet d'augmenter l'interactivité qu'il y a entre les étudiants, les enseignants, et puis bien sûr le jeu est là en support. Alors je vous présente rapidement sur des captures d'écran notre IKDUC. Donc vous voyez, donc là vous avez la carte interactive où l'étudiant peut avoir accès donc au centre de formation. Hein, pour ceux qui ont fait le tour de la faculté, vous reconnaissez bien notre faculté. Vous avez ici l'officine dans laquelle l'étudiant va pratiquer ses quatre comptoirs. Vous connaissez l'hôpital également. Donc tout ça, c'était une carte interactive 2D qui a été externalisée. Et donc on a inséré dans Topaz. Donc on invite l'étudiant à mettre sa blouse et puis à entrer dans le jeu. Ah, j'ai un petit bug. Donc l'étudiant ensuite est confronté à différents cas qui sont tirés de façon aléatoire et qui sont tirés par niveau. Donc tous les cas qui ont été créés ont été évalués et tirés par niveau. Et donc l'étudiant qui commence le jeu va commencer sur des cas les plus simples. Et progressivement, en fonction de son pourcentage de réussite, il va accéder à des cas de plus en plus difficiles. Vous avez bien sûr certaines ordonnances et puis vous avez ensuite les exercices. Hein, donc vous avez les QCM, les catégorisations, tous les types d'exercices qu'on peut retrouver dans Opal. Donc je vous ai dit, hein, l'étudiant va évoluer par niveau et chaque niveau va permettre de débloquer certains accès. Donc le niveau stagiaire, c'est le niveau basal hein, qui permet à l'étudiant d'accéder au centre de formation qui est la faculté de pharmacie. S'il réussit, il va monter adjoint, et là, ça ouvrira d'autres accès, notamment la salle des trophées. Ensuite, plus il progresse au niveau réussite, il va passer associé, et puis, au cours des mises en situation, il y a toujours un patient qui vient, et il y a toujours le titulaire de la pharmacie qui lui dit « Non, non, là, t'es pas prêt, laisse-moi faire », et puis, quand on estime que l'étudiant est arrivé à ce niveau-là, on lui laisse faire ce fameux patient qu'on appelle le boss final. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure, hein, l'étudiant a accès donc, au café, à des objets cachés, etc., donc pour animer un peu le jeu et augmenter l'adhésion de l'étudiant au jeu.
En parallèle de ce jeu, bien sûr, on se devait d'évaluer un peu l'impact du jeu sur les apprentissages, parce que c'est bien beau de faire un jeu sérieux, mais si on ne sait pas à côté quel est l'impact réel sur l'apprentissage des étudiants, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Donc, je vais vous présenter quelques données qu'on a eues de cette première année de test. Donc, on a réparti les étudiants en deux groupes. Donc, on avait deux semestres. Au premier semestre, un groupe avait le jeu, l'autre n'avait pas le jeu, mais enfin, l'avait en version, avait les cas en version linéaire. Et au deuxième semestre, on a inversé. Ceux qui avaient joué étaient passés sur le module linéaire et ceux qui n'avaient pas joué passaient sur le jeu. Alors, bien sûr, les cas étaient différents entre le premier et le deuxième semestre. On a collecté bien sûr toutes les données techniques, les notes. Alors les notes, c'est le pourcentage de réussite. Et puis on a proposé aux étudiants qui avaient testé le jeu un petit questionnaire d'évaluation à distance pour nous faire leur retour sur leur ressenti. Alors je vous présente les premières analyses, hein, c'est surtout du descriptif, il faudrait faire des analyses beaucoup plus poussées. Alors, pour vous situer un peu où on en est actuellement, il y a trois niveaux de difficulté, débutant, intermédiaire, expert. On a actuellement 63 cas de comptoir, contenant au total 533 exercices. Il faut compter en moyenne une petite dizaine d'exercices par cas. Ces cas tournent autour de plus d'une dizaine de disciplines médicales. Donc, vous avez la cardiologie, la gynéco, la pneumo, la rhumato. On a essayé de balayer au plus large. Et puis, on a fait un examen en ligne pour valider les apprentissages et puis les connaissances de nos étudiants. Alors, ce qui est assez intéressant à regarder concernant les retours du jeu via Moodle, c'est le comportement des étudiants. Vous avez pas mal d'étudiants qui font une tentative, ils ont un pourcentage de réussite, ils sont contents, ils s'arrêtent là. Et puis, vous avez des étudiants qui persistent, qui font 1, 2, 3, 4, 11 tentatives jusqu'à avoir le maximum de réussite. Certains étudiants nous ont avoué que pour eux, c'était une façon de... Enfin, ils se sont aperçus qu'en ratant certains cas, ils avaient accès à d'autres cas et ça leur permettait d'avoir tous les cas, de pouvoir accéder à tous les cas. Alors globalement, le pourcentage de réussite en moyenne dans le jeu, c'est de 68%. Et puis l'examen, on a quand même 81% des étudiants qui ont réussi leur examen. Alors, je n'ai pas pu vous faire la corrélation entre le jeu et l'examen. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, concernant l'évaluation et le ressenti des étudiants, donc, quel était leur profil et l'avis sur ce jeu ? Donc, on a une population assez féminine, hein, 42 femmes pour 10 hommes. Alors, tous les étudiants n'ont pas répondu. Hein. Ce sont essentiellement des étudiants de 5e année. Alors, parmi ces étudiants, 60% se définissent comme joueurs, donc plutôt bien pour ce qui nous concernait. 71% ont préféré la version jeu, donc c'était aussi un des critères qui nous avait motivés pour se lancer là-dedans. Et puis, cette version caducée, ces étudiants l'ont trouvée beaucoup plus motivante concernant l'apprentissage. Néanmoins, il y a un petit mais, c'est que concernant l'examen, les étudiants ont préféré quand même la version linéaire qui était beaucoup plus adaptée aux révisions. Donc, il faut situer dans différentes perspectives. La perspective examen et évaluation et l'autre perspective qui est plus l'apprentissage et la formation à une profession. Voilà, donc ce module sera mis en place à la rentrée pour les étudiants de 6e année. Et bien sûr, on continuera à travailler sur le module de 5e année. Alors, si vous voulez plus... d'informations, il y a un petit stand avec le film et puis le teaser aussi et puis vous pourrez tester si vous le souhaitez et donc n'hésitez pas. Alors je remercie tout le Givre et puis toutes les personnes qui gravitent autour du Givre, Katia, Gaëlle, Nordine, j'en oublie sans doute, et puis tous nos partenaires, l'île 2 qui a investi énormément d'argent sur ce projet et puis tout la communauté Scénarii sans qui on n'aurait pas pu accéder à ce jeu. Merci beaucoup. Merci. Des questions ? Une question.
Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que vous avez fait intégrer des scénettes en 3D. Oui. Est-ce que ces scénettes sont interactives ? Non. Non, ce sont juste... Non. D'accord. Ce sont c'est juste des... pour appuyer les moments importants. Donc, on les a conçus comme l'arrivée d'un patient. Bonjour, je viens pour une ordonnance. Voilà. Mais elles ne sont pas du tout interactives. D'accord. Merci. D'autres questions ? Oui, je suis intéressé pour savoir à peu près, tu parlais de 63 cas et de je ne sais plus combien de questions dans les cas. Là. 533. Un certain nombre. Tu as une idée du temps que les étudiants y consacrent sur s'ils veulent le parcourir et arriver sur l'état super boss Alors, c'est une donnée que j'aurais voulu vous présenter. Malheureusement, le souci... Alors, ces données, on les récupère via Moodle. Le problème, c'est que si l'étudiant part boire un café en laissant son jeu comme ça, le temps continue de tourner. Donc, j'ai oui. pas de données. Mais à la louche, peut-être que eux avaient une idée. J'ai démarré telle date, je finis telle date, j'y ai passé 2 heures par jour. Je sais pas trop. Avoir une idée à gros grains, je crois que c'est intéressant pour vous savoir aussi ouais. si. C'est une des données qu'on voudrait avoir, mais pour l'instant, j'ai pas de. J'ai peur de vous dire une bêtise. Alors, je sais pas si Katia a une idée ou Pierre, mais. Non, c'est pas vraiment en fait. En plus, c'est très dépendant de l'étudiant lui-même, de son accroche et de son envie de jouer. Donc, Et une autre question, parce qu'on a entendu parler plein de choses autour de scénarii dépôt, de scénarii distrib et tout ça. Moi, j'imagine bien ce truc-là, coupler et réutiliser en boucle éventuellement, redémarrer de zéro sur d'autres pratiques. Bon, on n'est pas aujourd'hui capable de faire ça. C'est en cours d'évolution, mais je pense que c'est des cas qui seraient super intéressants à remettre en service à usage multiple pour la même personne. Quoi. Voir s'il est capable d'améliorer ses performances, s'il redémarre de zéro. Je pense que c'est le cas, mais ce serait intéressant pédagogiquement ouais. de suivre ça. Alors, c'est-à-dire le confronter au même cas. Oui, redémarrer de zéro et voir s'il tombe dans les mêmes pièges, si... Là, c'est possible. S'il arrête sa tentative et qu'il recommence, il va retomber sur les mêmes cas. D'accord. Après, en fonction de son pourcentage de réussite, il pourrait être conditionné différemment. Son parcours pourra être différent. C'est pour ça que certains étudiants ont refait des tentatives sur lesquelles ils faisaient exprès de rater les cas pour pouvoir avoir accès à d'autres cas. D'accord. Donc, si c'est dans l'idée, on est capable de le faire là pour l'instant. Ok. Merci. Une dernière question ? Non ? Si. Du coup, là, vous n'avez pas eu autant de retours que vous auriez voulu avoir. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a des étudiants qui font exprès de rater. Oui. Pour avoir... Donc du coup, même si vous aviez pu avoir des résultats chiffrés, ça aurait été limite faussé, non ? Voilà. Donc ouais. Il faut qu'on retravaille les questions qu'on se pose quant aux données qu'on veut faire remonter aussi. C'est important. Le projet a coûté combien globalement, c'est-à-dire énormément d'argent. Alors, on a demandé un financement total à l'université, donc qui comprend également nos salaires, de 400 000 euros. Donc, on a enlevé, bien sûr, on a reçu 230 000 euros pour tout ce qui est prestations externes, donc de 3D, développement... plugin Moodle, Topaz, et puis autres développements techniques dont on a besoin. Dernière question. Je reprends la main 2 secondes. Sur ta dernière diapo, tu évoquais le fait que, plus ou moins un regret, que 81% des étudiants sont repartis sur la version linéaire du contenu. Moi, je trouve que c'est très habile de leur part, ils ont très bien compris qu'ils avaient 2 approches différentes du même contenu et que en fonction de ce qu'ils veulent faire, ils ont adapté leur stratégie d'apprentissage. Je trouve que c'est très très habile, au contraire, c'est passionnant de voir ouais, que... C'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais effectivement... Si, ils ont un objectif final à un moment donné, et l'objectif final c'est d'obtenir le diplôme, de passer à l'année suivante, etc. Le jeu, ça les confronte à des vrais cas concrets... éventuellement complexes, etc.
le cours, ça leur permet de parcourir l'intégralité du contenu et avec ça, ils sont armés, quoi. Les cas dans la version linéaire sont exactement les mêmes que ceux du jeu. C'est juste qu'ils ont accès par thème au cas et à la difficulté du cas. Mais ils sont sûrs d'avoir parcouru l'ensemble du contexte. Oui. Donc justement, sur la nouvelle version du jeu, on a pris en compte ça. Et on laissera, en fait, à la fin d'un niveau, quand les étudiants ont gagné un niveau, ils ont le droit de continuer pour faire tous les cas. Comme ça, on n'aura pas d'étudiants qui vont faire exprès de rater pour aller en rattrapage. Et on va leur laisser aussi la possibilité de refaire les cas qu'ils ont déjà vus pour pouvoir justement réviser aussi dans le jeu. Voilà. Que le jeu apporte aussi les avantages du parcours linéaire. Ouais, ce qui est aussi envisagé, mais alors là, je ne sais pas du tout où on en est au niveau développement, c'est de pouvoir faire un chat entre étudiants et mettre également des challenges. Donc, il faut réussir tel cas en tel temps, et le premier qui réussit, il a un petit cadeau. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi pour favoriser la collaboration entre étudiants et puis futurs professionnels. Mais ça, on n'y est pas encore. Merci. Je vais en profiter pour remercier l'île 2 sur l'investissement Topaz. Voilà, c'est très beau. Donc on a une pause d'une toute petite heure. On reprendra à 16h10, donc avec une intervention de Louis-David Benyayer sur les open models. Donc on va sortir un tout petit peu du monde strictement scénarii pour parler un peu plus largement. Des modèles ouverts, donc ça pourra peut-être inspirer certains d'entre nous sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on fera, sur les modèles, etc. Et puis ça va nous donner un petit peu d'air et nous faire parler un petit peu d'autres choses. Donc rendez-vous à tout à l'heure.